Ce cours va être consacré au mouvement circulaire. Alors regarde, mouvement circulaire, c'est un truc que Nietzsche n'aime pas beaucoup, mais pour donner une idée de ce que c'est un mouvement circulaire, tu vois, je fais tourner ce seau. On va encore faire une expérience un peu plus tard. J'irai dans l'auditoire parce que c'est un peu dangereux. Voilà, et le seau effectue un mouvement autour de mon poignet, de ma main. Il effectue un mouvement circulaire. D'ailleurs, regarde bien comment le seau se balance. Et voilà, il se balance comme ça. Ok? Bon, alors maintenant qu'on a ça, je vais montrer une autre application. Une autre application qui provient de ma grand-mère. Ma grand-mère était née au siècle passé, presque même au siècle avant, et elle avait un truc pour essorer la salade. Donc ici, j'ai de la salade que je suppose humide, mais que j'ai séché préalablement pour éviter de mouiller tout mon bureau. Et la manière dont elle essorait la salade, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces instruments, hein, ménagers qui existent aujourd'hui, c'est elle mettait la salade dans un essuie et elle faisait un grand mouvement avec l'essuie comme ça. Et si on était en face d'elle, on était tout mouillé parce que l'eau sortait de l'essuie alors que la salade restait dans l'essuie. Tu vois, quand je fais le mouvement comme ça, tu vois le mouvement, tu sens l'eau qui vient vers toi. Tu peux faire l'expérience chez toi. Tu prends un essuie, tu prends de la salade et tu fais ça sur ton petit frère et sur ta petite soeur. Et tu te le. Hein, une activité de confinement. Tu suis le pierre avec ton essuie rempli de salade. Mais maintenant, la technologie est arrivée et depuis plusieurs années, le nouvel objet qui libère la ménagère ou le ménager, parce qu'il faut faire gaffe avec l'égalité des sexes, hein? L'essoreuse à salade. Plus besoin d'essuie. Tu as acheté un gros truc en plastique. Note ici, ils arrivent même à vendre l'essoreuse à salade de voyage. Vous saviez, le modèle mini dans lequel on sait juste mettre une feuille de salade. Imagine le truc complètement débile. Et donc, l'essoreuse à salade se compose comme ça. Tu as un bac en plastique, un deuxième bac en plastique qui peut tourner, avec dans lequel tu vois, il y a des petits trous. Oui, des petits trous. Et tu mets la feuille humide dans le truc, et ensuite tu fermes le chapeau, et tu tournes, et ça essore la salade. Et bien ça, c'est une application du mouvement circulaire. Évidemment, ça tourne. Ouais, ils n'ont pas encore fait l'essoreuse à salade avec moteur électrique, mais ne t'en fais pas, ça va venir. Comment remplacer efficacement un essuie pour essorer la salade par un machin en plastique de taille monstrueuse qui va remplir ta cuisine de taille microscopique? Ils sont forts quand même, les gens. Les ingénieurs qui créent ce genre de truc qui ne sert à rien. Mais on va revenir à la fin du podcast sur la salade et l'essuie de ma grand-mère. Alors, l'idée de base, c'était donc de voir le mouvement circulaire. Tu vois, le mouvement circulaire, on va d'abord faire un mouvement simple. On tourne à vitesse angulaire, c'est-à-dire qu'on met chaque fois le même temps pour faire un tour complet. La vitesse angulaire, c'est oméga. On tourne à vitesse angulaire constante le long sur une trajectoire circulaire. Tu vois le petit point noir, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et à tout instant, j'ai dessiné le vecteur vitesse qui, lui, n'est pas constant. Sa direction varie à tout instant. Par contre, sa longueur est constante et sa longueur vaut R oméga. Et j'ai dessiné aussi à tout instant l'accélération qui est aussi un vecteur qui change à tout instant, puisque le petit point noir tourne sur le cercle, mais qui est toujours orienté vers le centre de rotation, et dont la longueur, elle est constante, et vaut R oméga carré. Alors, évidemment, ça nous fait penser à un mouvement circulaire, à nos fonctions harmoniques. Et oui, parce que la description de la position à tout instant,
C'est donc le vecteur x de t, comme ça. Eh ben, il dépend évidemment de l'angle θ de t qui dépend du temps. Et donc, si je veux avoir la composante horizontale, si la longueur du vecteur x, le rayon du cercle, c'est r, ceci c'est r cosinus de θ, et la composante en termes de y, c'est r sin θ. Ceci, c'est donc bien x, y de t et celui du dessus, x de t. Les composantes en x et en y de mon vecteur position. Alors, on a donc bien le retour de mon ami le cosinus et de son petit frère le sinus. Et donc, vous voyez, la position, on va dire que θ, l'angle, on le fait varier avec une vitesse angulaire constante oméga. Et donc, θ de t, c'est oméga de t. Et la position en x et en y sont données respectivement par r cosinus oméga t et r sinus oméga t. Alors évidemment, tu vois tout de suite que la période, le moment où on retombe sur la même position, c'est 2 pi sur oméga. Parce qu'il faut que oméga fois grand T est égal à 2 pi. Alors, quand on a un cosinus ou un sinus, on a la période, 2 pi sur oméga, on a la fréquence qui est inverse de la période, et puis on a aussi la vitesse réelle qu'on obtient qui vaut r oméga. Et n'oublions pas la vitesse angulaire qui est oméga, qu'on appelle aussi parfois fréquence angulaire. Ok? Alors, tu vois qu'entre fréquence et fréquence angulaire, il y a seulement un facteur de pi. Alors après, pour calculer la vitesse et l'accélération, ben, il suffit de dériver le vecteur position. Et comme la dérivée du cosinus, c'est moins le sinus, et que la dérivée du sinus, c'est le cosinus, attention, il faut aussi dériver θ de t, on voit apparaître les expressions du vecteur vitesse, et on observe que les composantes x et y ont été permutées avec un signe moins, et ça provoque l'obtention du vecteur tangent, et on voit que le vecteur accélération, ça a les mêmes composantes que le vecteur position, mais avec un signe moins. On observe aussi que le vecteur position, que je vais dessiner ici, ça c'est le vecteur position. Voilà, comme ça. Ok, ouais, il n'est pas super joli. On va le recommencer. On va mieux le dessiner. Hein, voilà. Le vecteur position. Ça c'est mon vecteur position. Et qu'est-ce que j'observe? C'est qu'à tout instant, ce vecteur x, si je fais le produit scalaire avec le vecteur vitesse, ce produit scalaire vaut 0. Les deux vecteurs sont toujours orthogonaux. Ça se voit facilement, hein? Vecteur x, c'est r cos signe, comme ça, tandis que le vecteur vitesse est r oméga fois moins signe et cos, comme ça, ouais, écris ça mieux, Vincent, là, moins signe, et on voit bien que si on fait le produit des deux composantes en x, on va obtenir r carré oméga moins signe cos, et que le produit des deux composantes en y donne exactement le même terme, mais sans le signe moins. Donc la somme vaudra 0. Donc on voit bien
que le vecteur position et le vecteur vitesse sont orthogonaux. Alors, on va maintenant clôturer ce premier podcast par un autre objet qui libère les hommes et les femmes du travail ménager, l'aspirateur. Alors, l'aspirateur, quand il faut acheter un aspirateur, ma maman m'avait dit, Vincent, ce qui est important, c'est les tours minutes. Plus les tours minutes sont élevées, plus l'aspirateur est bien. Et les tours minutes, c'est, pour un aspirateur, j'ai regardé le mien, typiquement, c'est un truc, par exemple, 600 tours à la minute. Ah, et oui, parce qu'un aspirateur, c'est quoi? C'est une petite roue, une petite pale, comme un ventilateur, qui tourne pour aspirer l'air. Il y a un petit moteur, enfin pas si petit moteur que ça, dans l'aspirateur, qui fait tourner cette petite pale. Alors typiquement, dans un aspirateur standard, le rayon de cette petite pale, c'est environ 10 cm, 0,1 m. Alors maintenant, on va considérer qu'est-ce qui se passe exactement le long de cette petite pale, à l'extrémité de cette petite pale. Eh bien, on va calculer la fréquence. Ah, comment on peut calculer la fréquence? Mais des tours minutes, c'est une fréquence. Et si tu fais 600 tours à la minute, comme il y a 60 secondes dans une minute, tu fais en fait un tour. Non, tu fais 10 tours par seconde. Et donc, s'il fait 10 tours par seconde, sur 60 secondes, tu feras 60 fois plus de tours, tu feras bien 600 tours à la minute. Donc, le 600 tours minute, ça me donne une fréquence. Fréquence, on l'appelle, on met des 1 sur seconde ou des hertz. Alors, tu veux dire, on a oublié les tours. Oui, mais les tours, c'est pour dire qu'on fait un tour, c'est pas des unités. Ça, c'est... Hein? Donc, en fait, on a des 600 à la minute quand on dit des tours à la minute. Après, on peut calculer oméga. Oui, on va calculer d'abord oméga. Oméga, c'est 2 pi fois la fréquence. C'est la vitesse angulaire. Comme 2 pi, ça vaut approximativement 6,28 fois 10. Ceci fait 62,8. 1 sur seconde. Ça est toujours des unités de fréquence. Puis, on va calculer la vitesse à l'extrémité de la pale qui tourne. Ça, c'est R. On va mettre grand R, parce que j'ai mis un grand R. Grand R oméga. Et ça, c'est 6,28 mètres seconde. Et puis, je voudrais connaître l'accélération. Et l'accélération, c'est R oméga au carré. Hein? C'est, attention, hein? C'est bien la norme de l'accélération et la norme de la vitesse. Regarde, je reviens juste en arrière. C'est vecteur, les cosses et les sines, c'est des vecteurs de longueur 1. Donc, c'est le facteur devant, R oméga carré, sont la longueur de la position, du vecteur position, la longueur du vecteur vitesse et la longueur du vecteur accélération. Tu regardes sur mon dessin, j'ai pas mis de petites flèches. J'ai mis V est égal à R oméga pour dire que c'est la longueur du vecteur. La direction, elle change et elles sont données par le cos et le sin. Alors, R oméga carré, oh, ça c'est 0,1 fois 62 au carré. Bon, 62 au carré, c'est plus ou moins 60 fois 60. Ouais, plus ou moins, un peu plus. Hein, donc, c'est plus ou moins 3600. Mais un peu plus, ouais, je vais dire, à vue de pif, plus ou moins 400 mètres secondes au carré. Hey, et là, tu remarques ce bijou de technologie moderne, l'aspirateur. Il développe une accélération centripète de 400 mètres secondes au carré. Comme dirait l'autre,
It's big. C'est grand. C'est vachement grand. Tu te souviens, G est égal à 9,81 mètres secondes au carré. C'est 40 fois la vitesse de la gravité. Alors, un petit récapitulatif de notre accélérateur. Bah, tu vois que je ne me suis pas trompé. L'accélération, c'est 394,4 mètres secondes au carré. Donc tu vois, mon calcul fait avec les mains, pas si mal que ça. Et tu notes 40 fois l'accélération de la gravité. Tu ne regarderas plus ton aspirateur avec le même regard dédaigneux. Maintenant que tu sais qu'il est capable de développer une accélération de 40 fois la gravité. Un petit bijou de technologie, tout ça encore. Puis revenons maintenant sur notre feuille de salade dans l'essuie de ma grand-mère. Regarde, tu as en fait fondamentalement, moi c'est pas joli, on va faire l'essuie, il est comme ça. Et à l'intérieur, il y a une feuille de salade comme ça. Ça, c'est ma feuille de salade. Et ce que je vais faire, c'est je vais faire à mon essuie un mouvement circulaire comme ça. Et donc, l'essuie à diverses positions, il va se positionner comme ceci. Et il va faire bouger la salade pour que la salade reste dans l'essuie comme ça. Et puis après, tu as l'essuie qui est ici dans cette position-là. Bilou, 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 bilou. Et il y a la salade qui se trouve ici. Voilà la salade qui se trouve ici. Et fondamentalement, ce que fait la paroi de l'essuie, c'est qu'il exerce une force pour faire bouger la salade. Pour que la salade suive le mouvement de l'essuie. Ok ? Tu vois ? C'est comme ça. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que l'eau, qui est des petites gouttes, elle va être capable de traverser l'essuie et de continuer sa trajectoire. Alors, l'eau, qui elle, n'est pas entraînée par l'essuie, quand on considère qu'on a une goutte d'eau ici, et que la goutte d'eau qui se trouve ici, n'est pas entraîné par l'essuie. Quel est son mouvement? Est-ce qu'elle continue tout droit? Est-ce qu'elle va s'écarter de cette manière-là? Ou est-ce qu'elle va faire un mouvement en spirale? En d'autres mots, que va faire notre particule d'eau? Est-ce qu'elle va continuer tout droit? Est-ce qu'elle va aller sur une trajectoire parabolique comme en B? Ou est-ce que, lâchée, elle va entamer un mouvement tourbillonnaire tel qu'indiqué ici? Donc, la question est la suivante. Et tu vas y réfléchir avant d'aller voir le podcast suivant. Tu vois, j'ai ma salade, j'ai de l'eau dedans, la salade, elle est accrochée au mouvement de mon essuie, mais l'eau, est-ce qu'elle continue tout droit, ou est-ce qu'elle fait une parabole, ou est-ce qu'elle fait une spirale? Ça, c'est la question. Tu y réfléchis. Tu réfléchis dans ta petite tête, quel est le mouvement que va faire la goutte d'eau quand elle est partie? Oh, ça c'est compliqué, Koubi, mais ça va pas être facile à trouver, hein? Eh ben, tu vas voir la réponse. Et au prochain podcast.